Bonsoir, bienvenue à ce flash d'informations sur Juventus Fans. Dans quelques instants, les titres. Condon Bia plaît à la Juventus. Arsenal veut Pogba. Marquisio out pour un mois. Et Vucinic, faisons l'histoire de lui sur son site. Après les intérêts annoncés de l'AS Monaco et du Real Madrid, la Juventus souhaiterait également attirer Geoffrey Condon Bia sur le mercato. Un an après avoir flairé la bonne affaire avec Paul Pogba, la Juve souhaiterait associer deux jeunes internationaux français cette saison. À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le club turinois se serait lancé à la poursuite de Geoffrey Condon Bia, qui se trouve déjà sur les tablettes du Real Madrid et de l'AS Monaco. Vers un tandem Pogba-Condon Bia, alors que son transfert vers l'AS Monaco semble quasiment acté, Geoffrey Condon Bia pourrait finalement décider de relancer les dés d'ici la fin du mercato. Le jeune milieu de terrain du FC Séville, qui aurait fait l'objet d'une offre de 15 millions d'euros de la part du club de la Principauté, pourrait être partagé entre un retour en France et la possibilité de briller aux côtés de son compère Paul Pogba à la Juve. Claudio Marquisio out pour environ un mois. Sorti à la fin de la première mi-temps lors de la Supercoupe d'Italie contre la Lazio Rome dimanche soir, Claudio Marquisio a passé un IRM hier qui a mis en évidence une lésion au ligament du genou droit. Son indisponibilité est évaluée à un mois environ, ce qui privera la Juventus de son milieu de terrain pour les premiers rendez-vous de Serie A et de Champions League. Arsenal est très attiré par le milieu de terrain de la Juventus, Paul Pogba. €20 millions à la Juventus pour Pogba, c'est ce que veut proposer Arsenal pour s'attirer les services du jeune français. Wenger veut de l'alliance avec le milieu de terrain. Paul Pogba, €20 millions, c'est le chiffre qu'Arsenal aimerait mettre sur la plaque pour le milieu de terrain de la Juventus. Aucune confirmation de l'Italie au sujet de cette rumeur que vous ajoutez aux nombreux autres déjà enregistrés cet été. Mirko Vucinic, la Juve a faim et nous voulons écrire l'histoire. L'attaquant de la Juventus s'est exprimé sur son site « Nous voulons écrire l'histoire de ce club ». Mirko Vucinic, sur son site officiel, a parlé avec les fans de sa satisfaction obtenue lors de la victoire en Supercoupe. Un superbe début de saison, s'exprime-t-il. Quelques mois après avoir remporté le championnat, nous ramenons à la maison après un match difficile et une performance extraordinaire. La Supercoupe d'Italie, un trophée important qui nous donne la force et la détermination pour nous aider à bien démarrer le championnat. Cela montre aussi que nous avons encore faim et que nous voulons continuer à gagner et décrire l'histoire de la Juventus. La Juventus a débuté sa saison par une victoire très importante contre la Lazio, ce qui lui a permis de gagner la Supercoupe. Le message est clair à 4 journées du début du championnat. La vieille dame sera dure à détrôner en Serie A, qu'elle vient de remporter 2 fois de suite. Le collectif de la Juve a étouffé dimanche dernier la Lazio de façon extraordinaire. Les Bianconeri ont d'abord ouvert le score par le français Paul Pogba, 23e,
avant de digérer la Lazio en seconde période grâce à des buts en rafale de Chiellini 52e, Stéphane Steiner 54e, deux défenseurs, ce qui en dit long sur son potentiel, puis de la recrue vedette Carlos Tevez. L'équipe d'Antonio Conte, dont l'Argentin était la seule recouche dimanche par rapport à la saison dernière, était beaucoup trop forte dimanche pour la Lazio. Paul Pogba, sur le terrain depuis 3 minutes, a mis son équipe devant suite à une frappe en pivot du gauche en pleine surface. Rayonné de son titre de champion du monde des moins de 20 ans et le meilleur joueur du tournoi. Paul Pogba n'était pourtant pas titulaire. Antonio Conte lui avait préféré Claudio Marchisio, tenant compte de l'été raccourci du français. Mais Marchisio a reçu un coup au genou droit de la part de Stéphane Rabi et est sorti au bout de 20 minutes. Premier but aussi de Tevez. L'autre bonne nouvelle de la Juve est le bon match de Tevez, recruté cet été à Manchester City. L'Argentin a montré beaucoup d'énergie et un joli début de complicité avec Mirko Vucinic. La Lazio n'est que le menu fretin pour la Juve qui veut rejoindre les tout premiers clubs européens. Bayern Munich, Barcelone, Manchester, etc. Voilà, merci, c'était tout pour ce soir. Rendez-vous demain. Ciao. Portaci dove vuoi.